Nous sommes en route de Berlin à Tilburg. Tilburg, c'est la ville en Hollande où se trouve l'usine d'assemblage des Tesla. Alors entre Berlin et Tilburg, il y a 680 km. Donc nous sommes sur l'autoroute à la vitesse de 114 km/h. Et Ibitender est en cours de fonctionnement. Notre projet, c'est de nous arrêter à peu près à mi-chemin, c'est-à-dire au bout de 350 km à peu près. Et donc on en profitera pour faire le plein d'essence, pour charger la batterie et puis avaler un sandwich pour arriver à Tilburg au cours de la soirée. Tout ça, mais nous on fait la course. Cette fois, nous sommes sur le trajet Tilburg-Paris. On a 423 km à faire, à peu près. Donc on va faire le trajet à 120 km/h sur la plupart du trajet. On va s'arrêter dans une centaine de kilomètres pour refaire le plein d'essence parce qu'on a déjà fait 300 km hier sur le réservoir. Et puis bon, on va acheter un sandwich, une boisson en guise de repas de midi. En revanche, on ne va pas charger parce que voilà, sur un trajet de 400 km, je ne suis pas sûr qu'on ait nécessairement envie de charger. Hier soir, sur les 680 km, on est arrivé une heure avant la Tesla la plus rapide. On est arrivé 2 heures avant la deuxième Tesla. Et on est arrivé 6 heures ou quelque chose comme ça avant la Zoé 40. J'ai pas regardé les chiffres exactement, mais je crois que la Zoé 40 est arrivée à 3 heures du matin, alors que nous on est arrivé à 21h17 de mémoire. Donc ça fait une sacrée différence. Nous on a passé une très bonne nuit. Enfin, on a attendu les deux Tesla, mais bon, pour la Zoé 40, on n'a pas attendu quand même. On est allé se coucher. Donc ça, c'est notre deuxième plein depuis Berlin. Merci. Voilà. Vraiment, je sais pas, on arrive reposé quoi. Donc dans une Zoé d'ailleurs, c'est une voiture formidable sur l'autoroute. C'est pas bruyant, ça vibre pas. On voyage mais vraiment de manière tranquille. On roule à 110, 120 sur l'autoroute, tranquillement, sans état d'âme et sans problème. Et puis l'avantage, c'est que s'il manque 20 km pour aller jusqu'au chargeur, et ben voilà, le Tender se met en route tout seul. L'avantage, c'est que si le chargeur marche pas, bien s'il y a déjà une voiture en train de charger, qu'il faut attendre une heure de plus et qu'on n'a pas envie d'attendre une heure de plus, on continue son chemin. Ça, c'est l'exemple exact du trajet Berlin-Tilburg. Ben voilà, nous, on est arrivé à 21h17, et puis une des voitures, la Zoé 40, est arrivée à 3h du matin. Bon, ben, je pense que, voilà, une façon de voyager, c'est de dire, prenons une Zoé 40, ayons un Tender, et là, c'est un outil absolument extraordinaire, parce qu'on a une voiture qui, au quotidien, est parfaite, pour laquelle, évidemment, on n'a pas besoin du Tender du tout, et on fait tous les trajets du quotidien, 98% des usages sur la batterie. Et puis, si on fait un long voyage, à ce moment-là, on loue un Tender, et sur 500 km, le Tender va fonctionner 3 heures, va faire 300 km sur l'essence, on va faire 200 km sur la batterie. Et en plus, on peut utiliser vraiment l'entier de la batterie, c'est-à-dire on peut fonctionner sans marge. Ici, on est arrivé avec 10% de batterie, parce que j'ai programmé le Tender pour arriver avec 10% de batterie, mais hier soir, on est arrivé à Tilburg avec 5% de batterie, et on avait programmé 5%. Donc on peut se permettre d'arriver à destination, d'arriver au chargeur, sans aucune marge, parce que si le chargeur ne marche pas, ben,
on repart. On est sur le point maintenant de démarrer un pilote. Donc on aura 5 tenders en service auprès des premiers clients pilotes, qui seront des clients payants. Hein. C'est vraiment, le test consiste aussi à vérifier si le prix est correct, si les gens sont prêts à payer pour ça, si c'est commode, si ça marche, etc. Et puis et on aura jusqu'à une cinquantaine de voitures équipées dans les prochains mois. L'étape importante, bien sûr, c'était l'homologation. Donc ça, maintenant, c'est fait. On doit encore mettre en place le site internet pour gérer les réservations. On a 2 tenders en état de fonctionner. On est en train de dupliquer le faisceau électrique du 2e tender. Et on s'attend, j'espère en tout cas, c'est l'objet de ce pilote. Si la demande est là et si le public trouve que c'est une bonne idée, si la presse trouve que c'est une bonne idée, de progressivement étendre l'expérience. Et puis convaincre les constructeurs que, voilà, une voiture avec 40 kWh de batterie ou 60, c'est très bien, c'est formidable. Mais franchement, 40 kWh de batterie plus un tender, vous faites vraiment, plus la faculté d'utiliser un tender, franchement, vous avez une voiture qui est capable de tout faire et qui est une voiture extraordinaire et qui est une voiture qui vaut moins de 20 000 euros. Donc c'est une voiture qui est capable d'avoir une part de marché significative et c'est à mon avis le moyen de faire des voitures électriques qui sont à la fois polyvalentes et capables de faire des voyages autant qu'on le souhaite et qui sont d'un prix acceptable.